La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est un nom un peu barbare pour désigner une maladie chronique qui s'aggrave progressivement et qui est définie, caractérisée par un rétrécissement progressif des bronches. Les bronches, c'est les tuyaux qui emmènent l'air dans les poumons. Et donc, quand on a un rétrécissement progressif des bronches, et ben, l'air arrive moins bien. Et donc, on est plus facilement essoufflé. Ce qui a des inconvénients dans la vie quotidienne quand les choses commencent à devenir un peu sévères, on peut être handicapé dans la vie quotidienne. Alors il y a plusieurs façons d'attraper une BPCO, mais la principale c'est le tabac, puisqu'à peu près 80% des BPCO sont dus au tabac. Alors après il y a 15-20% qui surviennent chez des gens qui n'ont jamais fumé et qui sont essentiellement liés à des origines soit professionnelles, soit domestiques. Dans le cas des expositions domestiques, c'est des expositions à des fumées qui proviennent de cuissons avec des feux de bois ou de charbon et dans des atmosphères qui ne sont pas bien ventilées, sans cheminée et qui peuvent là aussi donner une BPCO comme si on avait fumé. Alors le principal symptôme de la BPCO, c'est un essoufflement. Le problème, c'est que cet essoufflement, il va survenir au départ pour des efforts qui sont importants, et puis progressivement pour des efforts de plus en plus légers. Le problème, c'est que comme ça survient de façon très très insidieuse, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, et tout bêtement, pour ne pas être essoufflés, ils vont réduire leur activité. Comme ça, ils ne vont pas ressentir le symptôme. Et donc, à ces stades-là, la principale manifestation de la maladie, finalement, c'est une sédentarisation un peu excessive. Les gens vont bouger moins. Alors, le diagnostic de BPCO, ça nécessite la mise en évidence de l'obstruction bronchique, c'est le O de BPCO. Comment est-ce qu'on met en évidence une obstruction bronchique? En faisant une mesure du souffle. Donc on fait souffler les gens dans un appareil, le plus souvent maintenant c'est un appareil électronique, qui va permettre de faire le diagnostic de l'obstruction, et c'est le seul moyen. C'est-à-dire que les symptômes, la clinique, ça suffit pas. Ça permet de suspecter le fait qu'il y a peut-être une BPCO, mais ça permet absolument pas de l'affirmer, et ça permet pas non plus d'en évaluer la sévérité. Donc pour bien évaluer la maladie, il faut absolument faire cette mesure du souffle. Alors complication, la première complication c'est le handicap. En fait c'est même pas vraiment une complication, c'est une manifestation de la maladie. Donc le handicap c'est l'altération de la vie quotidienne, on peut plus faire ce qu'on veut, pour faire simple. Deuxième complication c'est ce qu'on appelle les exacerbations, c'est-à-dire des périodes d'aggravation, des centres de poussée d'aggravation des symptômes de la maladie, qui peuvent être suffisamment sévères pour entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Le malade doit être alors hospitalisé, parfois en réanimation, puis il y en a qui peuvent en mourir, donc ça peut être relativement même très grave. D'autres complications qui sont en fait plutôt des maladies associées que des réelles complications, mais c'est tout ce qui est affection cardiovasculaire. Là, on déborde un peu du cadre strict de la maladie respiratoire, et ces associations, ces comorbidités, ces maladies associées sont extrêmement fréquentes, et elles doivent être prises en charge aussi quand on prend en charge un malade atteint de BPCO, sinon on fait que la moitié du boulot en fait. Et puis, quand on arrive dans les stades un peu ultimes, c'est l'insuffisance respiratoire chronique, donc le malade qui doit être sous oxygène en permanence, à des stades extrêmement invalidés de la maladie. Alors heureusement, c'est une minorité, et finalement, c'est ça qu'on essaye d'éviter. Et pour éviter ça, il faut prendre en charge les malades suffisamment tôt. Alors le traitement de la BPCO, le premier traitement, c'est d'arrêter l'exposition aux facteurs de risque. Alors dans 80% des cas, on le disait tout à l'heure, c'est le tabac, donc faut arrêter de fumer. Quand il y a des facteurs de risque autres, professionnels, domestiques, il faut aussi les arrêter, avoir éventuellement des protections sur le lieu de travail, des masques, etc. Deuxième composante du traitement, c'est d'éviter d'attraper des infections respiratoires. Donc ça, c'est les vaccins. Donc il y a les vaccins contre la grippe, contre une bactérie qui s'appelle le pneumocoque, qui sont finalement les deux agents infectieux contre lesquels on peut protéger, donc il faut le faire. Et puis après, il y a la prise en charge spécifique de l'obstruction bronchique et de ses complications. Et là, il y a deux composantes, une composante médicamenteuse, donc c'est ce qu'on appelle des bronchodilatateurs, c'est des médicaments qui vont rouvrir les bronches,
et donc permettre à l'air de circuler plus facilement et donc au sujet d'être moins essoufflé. Et puis il y a une deuxième composante qui est une composante plus physique et psychologique à la fois, qui est la réhabilitation respiratoire. Et ça, c'est essentiellement deux choses. Il n'y a pas que deux choses, mais c'est le réentraînement à l'effort et l'éducation. Et puis il y a aussi de la kinésithérapie, une prise en charge sociale, psychologique, nutritionnelle, etc. Et donc ces deux composantes, médicaments et non médicamenteuses, sont extrêmement complémentaires l'une de l'autre. Et il faut associer les deux si on veut obtenir le bénéfice maximal de la prise en charge. Et bon, sans aller forcément jusqu'au réentraînement à l'effort dans les programmes complets, le minimum, très tôt dans la prise en charge, c'est de conseiller aux gens de reprendre et de maintenir une activité physique régulière. C'est pas spécifique de la BPCO, mais c'est quelque chose qui est encore plus important quand on a une BPCO.